premiers jours de vacances et j'en profite donc pour ouvrir ce nouveau vlog. Je m'en vais, donc on est en début d'après-midi, il est 14h. Je m'en vais apporter deux colis à la poste, faire 2-3 courses et puis je rentre à la maison et je me poserai un peu pour vous parler de mes deux lectures en cours qui sont donc de très belles lectures pour l'instant. Et voilà, il fait trop beau, c'est génial, le moral est en flèche. Et voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Du coup, on est toujours lundi, premier jour donc de vacances pour moi. Et ça fait tellement de bien. Mon Dieu, j'ai plein de notifications qui arrivent. Et j'entends du coup ma montre connectée qui est derrière qui bip. Et Gus qui va tout faire tomber. Bref, donc c'est explosif. On est donc lundi et je vous parle de mes deux lectures en cours. Cette lecture donc que j'ai démarrée samedi soir, enfin vraiment je l'ai démarrée dimanche donc hier et j'ai clôturé le précédent vlog à midi, midi et demi, quelque chose comme ça. Donc forcément je ne vous en ai pas parlé et j'avais pas non plus envie d'en parler dans le précédent vlog et d'être obligée d'en reparler dans celui-ci. Donc voilà, cette lecture qui est Les derniers jours de Rabbit Ace d'Anna McPartlin aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années maintenant, je crois. En 2016, il me semble, si j'avais bien vu. Hop. Je sais plus où c'était. Il n'y a pas la date. Ah si, Cherche Midi 2016, voilà. Donc il est sorti en 2016 au Cherche Midi. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer à l'époque. Mais Loulou, descends, tu fais tout bouger là. Et donc dans ce roman, on suit Rabbit qui a une quarantaine d'années, il me semble, et qui a un cancer. Il lui reste 9 jours à vivre. On le sait hein, dès le début, je vous spoile pas. Et en fait, le livre tourne autour donc de la réaction de son entourage, que ce soit sa famille, ses amis, tous ses proches finalement, et de la manière qu'ils ont totalement différente pour certains d'appréhender cette mort imminente, d'appréhender la maladie. On en a donc qui sont dans le déni le plus total et qui veulent la sauver encore, qui croient que c'est possible. On a ceux qui se résignent plus ou moins à la voir partir et qui décident d'accompagner au mieux ces derniers jours. Et voilà, on a un peu tout ce tabou finalement autour de la mort, ces choses qu'on ne veut pas dire, ces mots sur lesquels justement on ne veut pas mettre de mots pour ne pas les formaliser, notamment pour les enfants, pour les préserver, etc. Et ce livre donc aborde cette thématique de la mort et de la maladie, donc qui n'est pas réjouissante en soi, et que moi j'ai beaucoup de mal, je l'ai dit dans le précédent vlog, j'ai beaucoup de mal avec cette thématique. C'est, je sais pas, je suis assez frileuse quand on parle de la mort, de la maladie. C'est des sujets qui réjouissent personne, mais moi voilà, j'ai d'autant plus de mal à lire des histoires. Des histoires comme ça. Et voilà, celui-ci, vous aviez été très nombreuses à me le conseiller en me disant que malgré le sujet, il fallait que je fonce, chose du coup que j'ai faite. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal, c'est-à-dire que pas du tout par rapport au sujet donc de la mort, etc. Mais j'ai eu un petit peu de mal parce que je trouvais ça lent, je trouvais que il se passait pas grand chose, que bon, son entourage à part s'apitoyait sur le sort de Rabbit autour de son lit, bon voilà, ça peinait à avancer. Et là donc j'en suis page 250 sur 450, donc un petit peu plus de la moitié, et j'aime beaucoup plus. En fait, on a pas mal de retours dans le passé où on suit différents personnages, on en apprend davantage sur eux, il y a un mystère qui plane notamment autour d'un des personnages, et j'ai Gus qui est par terre en train de manger une poche, voilà.
Bref, on en apprend davantage sur le passé de nos personnages, sur leurs traits de caractère, etc. Dans une époque qui était complètement, enfin c'était leur enfance quoi. Donc quelque chose qui se passait peut-être 25-30 ans avant cette situation au chevet de Rabbit. Et voilà, je trouve ça assez intéressant. En fait, c'est un roman moi qui m'interroge profondément sur la manière dont je réagirais si j'étais confrontée à la situation de Rabbit, si j'avais un proche dans son cas, comment rester aussi fort alors que la mort approche, comment donner de la force à la personne qui est malade, comment ne pas abandonner. Enfin, en fait, voilà, c'est des sujets vraiment, je trouve ce livre très très fort. Il arrive à me toucher, même si effectivement, voilà, comme je le disais, contrairement à certains, certaines qui ont pleuré à chaudes larmes, pour l'instant c'est pas le cas. Après, c'est peut-être parce que je l'ai pas terminé. Mais en tout cas, ce livre m'interroge et me questionne sur la façon que j'aurais de réagir si j'étais confrontée à cette situation. Donc c'est quand même un bon point. Ça veut dire que malgré tout, le travail de l'auteur, le message passe bien. Voilà, donc pour cette lecture, je vous en parlerai mieux quand je l'aurai terminée. En tout cas, c'est une bonne lecture. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Et Margot, donc du compte 1000 lectures, avec qui je le fais en lecture commune, est d'accord avec moi là-dessus. On partage quand même le même avis. Et donc, j'ai démarré une nouvelle lecture qui est une lecture commune que l'on fait avec 1 million d'autres personnes, je pense, qui n'est autre que Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions du Cherche Midi. C'est la toute nouvelle saga de Cozy Murder, Cozy Mystery, qui vient de sortir au Cherche Midi. Gus, arrête! Voilà, vous avez juste droit à sa queue, cadeau. Donc, il s'agit d'une toute nouvelle saga dans laquelle on suit Anna Swenson, qui est une pâtissière. Oui, elle est pâtissière. Oui, enfin bref. En tout cas, elle a une boutique de cookies et enfin de gâteaux en tout genre qui s'appelle le Cookie Jar. Et malgré elle, elle va assister à un meurtre et va être chargée par l'enquêteur justement sur le meurtre, de l'aider un petit peu à découvrir tout ce qui se passe, puisque son café, enfin le Cookie Jar, sa boutique, est un petit peu le repère de tout le monde dans son village. C'est là où on a voilà, beaucoup de commérages, beaucoup de personnes qui discutent. Et malgré elle, donc, elle va s'impliquer dans cette enquête. Je n'en ai pas lu du tout beaucoup pour l'instant. J'en suis page 91 et il fait 500 et quelques pages, je crois. Meurtre et pépites. Parce que je crois qu'on a une histoire à la fin. Cécilia m'a dit qu'il y avait une histoire. J'essaie de voir où il s'arrête. Ah oui, voilà. Alors, en fait, il fait 400 pages, c'est-à-dire que l'histoire Meurtre et pépites de chocolat est ici, là, sur cette partie-là. Et toute cette partie-là, c'est une autre histoire. Tournez la page, vous découvrirez une nouvelle énigme et encore plus de recettes signée Joanne Fluck. Donc, je ne sais pas si c'est le début de Meurtre et Charlotte aux fraises. Il faudrait que je regarde parce que je l'ai aussi, qui est donc le tome 2. Mais voilà, donc j'en suis page 91 sur 400, c'est-à-dire encore au début. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. On est vraiment dans cet univers de pâtisserie où on a l'impression de sentir les odeurs des gâteaux qui cuisent. On a l'impression d'être vraiment dans cette atmosphère super cocooning de la boutique d'Anna. Et à la fois, on est aux États-Unis, donc ce qui contraste énormément par rapport au genre du cozy mystery, cozy murder, qui très habituellement se passe en Angleterre. Donc voilà, je suis très curieuse de voir un petit peu la sauce américaine sur ce type de roman. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et cette couverture est juste sublime. Et ce format-là du Cherche Midi, vraiment, je l'adore. C'est le même format que Beignet de tomates vertes. C'est un nou tout nouveau format du Cherche Midi qui est du semi-broché, semi-poche.
je sais pas si mais je vous montrerai tout à l'heure, mais du coup, donc par rapport à un livre de poche, c'est quasiment la même taille, c'est un tout petit peu plus grand. Et si je le compare à un brochet qui est du Cherche Midi aussi d'ailleurs, vous voyez bien la différence entre les deux. Voilà donc pour cette deuxième lecture, on l'a démarré aujourd'hui, donc le 19 avril, j'ai commencé ce matin. Et voilà, je vais m'en aller donc tout à l'heure reprendre ma lecture de celui-ci. On espère le terminer demain avec Margot. Comme je vous disais, j'en suis page 250 et j'aimerais bien m'arrêter page 320, je crois, histoire de pouvoir le terminer demain, qui me reste qu'une petite centaine de pages. Voilà donc pour ces deux lectures. Et tout de suite, j'enchaîne avec un colis que j'ai reçu, qui est une commande que j'ai faite sur Momox. Dans le précédent carnet de bord, je vous parlais de ma collection Agatha Raisin et du fait que j'en avais commandé quelques-uns sur Vinted et que j'avais commandé les autres chez Momox. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Alors, c'est toujours un peu la loterie, l'état des livres, mais là, bon, ça a l'air d'aller. Du coup, j'ai commandé le tome 8 d'Agatha Raisin, qui est Coiffeur pour dames. Il faut juste que j'enlève là l'espèce d'étiquette qu'ils mettent à chaque fois, mais normalement, ça s'enlève assez facilement. C'est pas des étiquettes qui laissent des traces ni du collant. Ouais, voilà. Hop. Ça, c'est l'avantage avec mon Momox, c'est qu'on n'est pas obligé de gratter et tout ça. Bon. Il est en bon état à part la tranche, quoi, qui est un peu... Je sais pas si ça se remet. Non, pas trop. Bon, elle est un peu pliée. Mais ceci dit, voilà, la tranche après, elle est pas cassée. Et je dis la tranche, mais en fait, c'est le dos, je crois qu'on dit. Bref. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris le tome 15, toujours d'Agatha Raisin. Bon, là, il est dégueu. Alors, il est en bon état, juste il est dégueu ici. Et c'est pareil, ça se nettoie, donc c'est pas très grave. Ensuite, bon, je continue dans Agatha Raisin. J'ai pris Panique au Manoir, qui est le tome 10. C'est pareil, il est en bon état. Donc, plutôt contente. Et bon, la tranche est un peu cassée, mais ça se voit pas trop parce qu'il est foncé. Et enfin, j'ai pris un livre, alors qui est un livre jeunesse, il me semble. Oui, dès 12 ans. Faisait partie de ma vidéo sur les 15 romans qui se passent pendant la période de la ségrégation. J'avais donc recueilli dans une vidéo vos suggestions de romans qui se passent pendant cette période. Et vous aviez été plusieurs à me conseiller de lire Sweet Sixteen de Annelise Heurtier, qui est un roman jeunesse certes, mais qui est inspiré de faits réels et qui apparemment est fascinante. Alors j'enlève l'étiquette. Et donc, on suit dans cette histoire, je crois que ça se passe dans un lycée. Voilà, rentrée 1957, le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la première fois ses portes à des étudiants noirs. Ils sont 9 à tenter l'aventure, ils sont 2500 prêts à tout pour les en empêcher. Et donc, dans ce livre, je crois, on suit voilà, cette bande de 9 adolescents noirs qui doivent essuyer toutes les critiques et les injures, enfin les voilà la discrimination de l'époque, puisque c'était tout nouveau. Donc moi je l'ai pris au format poche, donc c'est chez Casterman. Bon, la tranche est pas terrible, mais c'est pas grave. Allez, par contre c'est vraiment du jeunesse, hein, c'est écrit en bien gros, mais du coup je pense que ça va se lire très vite. Moi je lis absolument pas en fait de jeunesse d'habitude, bon à part Harry Potter, mais parce que je suis une fan incontestable, mais je lis pas du tout, ça va loulou, je lis pas du tout de jeunesse d'habitude, donc voilà, j'avoue que de base j'étais un peu frileuse, mais après avoir vu le résumé je me suis dit que pourquoi pas, c'est un livre qui pourrait me plaire, et en plus de ça, bon là il est en super état, il est vraiment comme neuf, donc voilà, plutôt cool. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon moment que je vous parle. Et je vous reprendrai peut-être plus tard dans l'après-midi. Mais je crois qu'il est déjà 15h30, donc voilà.
Et sinon, ce sera demain. Et du coup, chose promise, chose due, je vous montre ma collection d'Agatha Raisin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me manque le 13 que j'ai commandé sur Vinted qui devrait pas tarder à arriver. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ensuite, il me manque 22, 23 et 26, 27, les derniers. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que les tranches, elles sont trop trop belles. Et juste à côté, j'ai, bon, alors certes, mon petit pop Harry Potter, mais j'ai les Hamish Macbeth de MC Beaton, pareil, la même autrice. Et donc là, j'ai les 8. Je crois qu'il y en a un dernier qui est sorti. Je sais même plus. En tout cas, voilà, j'ai les 8 et sur Agatha Raisin, il m'en manque encore quelques-uns. Ça y est, j'ai déjà perdu la notion du temps. On est mardi en fin de journée. Il est 18h30 et je n'ai vraiment pas fait grand-chose aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des vacances, productivité zéro. Mais c'est pour ça que ça fait du bien. Donc voilà, concrètement, j'ai fait mon vernis, j'ai lu beaucoup, j'ai fait à manger. Et c'est à peu près tout. Et voilà, je me suis reposée. Enfin bref, vraiment pas productif. Bref, ce qui fait que donc il est 18h30 et que je vous prends que maintenant. J'ai donc terminé les derniers jours de Rabbit Ace d'Anna McPartlin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors, peu importe les réticences que je pouvais avoir au début où je disais que c'est vrai, effectivement, c'était un peu lent. Mais envoler tout ça, franchement, on s'y habitue déjà au fur et à mesure du roman. En fait, je pense que c'était un peu moi qui m'étais conditionnée avec cette couverture à quelque chose de très feel good, voilà, je pense, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je m'étais un peu fait une idée sur ce roman en me disant que ça allait être peut-être dans le même style que Bénie Tomate Verte avec... des retours dans le passé, beaucoup de personnages, pas mal de péripéties, etc. Finalement, pas vraiment, même si donc on a des retours dans le passé et des retours dans le présent. On a quelques péripéties, mais c'est pas des péripéties en tant que telles, c'est plus une histoire qui s'étale sur X années et qui va poursuivre nos personnages. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte finalement. Bref, en tout cas, ce roman, ça a été une claque. Comme je vous l'ai dit, moi, il m'a fait réfléchir sur la manière que j'aurais de réagir face à la mort, face à la maladie, face à cette situation que connaissent aujourd'hui les proches de Rabbit qui la voient partir au fur et à mesure des jours. Et voilà, ce roman m'a profondément interrogée, il m'a émue, il m'a touchée. Cette fin est juste... Non, Gus, non, tu sautes pas, tu vas tout faire tomber. Non, 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 non. Il a une passion pour l'endroit où je mets mon ordinateur avec le téléphone. C'est vraiment... il y monte jamais, il est que quand ça tourne. Ce chat est vraiment bizarre. Bref, en tout cas, voilà, ce roman, ça a été... c'est vraiment une petite perle qui m'a fait passer par toutes les émotions. On a énormément d'humour dedans et pas un humour qui est là simplement pour rendre ça un peu plus léger. Non, non, c'est vraiment de l'humour. Enfin, moi, ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a pas juste fait sourire. Et voilà, on sent que derrière, c'est des personnages authentiques, vrais, sincères. Et voilà, je trouve ça fascinant. Donc c'était vraiment une super lecture que je vous recommande. Peu importe, voilà, d'être frileux avec ces thèmes un petit peu du deuil, de la mort et de la maladie. Moi, je sais que j'ai adoré et pourtant, j'étais pas hyper emballée au début. Donc voilà, vraiment une super lecture que je vous recommande très chaudement. Et ensuite, j'ai toujours Gus qui s'apprête à faire que des bêtises au moment où je filme. C'est vraiment...
Là, il est en train de regarder une étagère comme s'il allait monter, alors qu'il ne monte jamais ici. C'est vraiment, voilà, toujours pour qu'on s'occupe de lui. Bref, et donc, après avoir terminé les derniers jours de Rabbit Ace, je me suis donc remise dans ma lecture en cours de Meurtre et Pépites de chocolat de Joanne Fluck au Cherche Midi, qui est donc un cozy murder qui se passe aux États-Unis. J'en suis donc page 200 et il y a 411 pages sur l'histoire principale. Comme je vous l'ai expliqué hier, j'ai mis un post-it, mais du coup, ça là, cette partie-là, c'est une histoire qu'on a en plus. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une nouvelle ou le début d'un autre roman, j'ai toujours pas vérifié. Bref, en tout cas, ce roman, donc, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Ça se lit très bien, c'est très sympa. On est vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je ressens parfaitement les odeurs, les sons. Enfin, je me projette totalement dans cet univers du coup du cookie jar et donc de cette boutique de cookies d'Anna. Je visualise les décors, les personnages, etc. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout de mal à me projeter. L'enquête est intéressante, même si, bon, effectivement, voilà, ça va pas super vite. Et encore que ça avance parfois plus vite que dans certains autres cozy mystery. Mais voilà, en tout cas, je passe un très agréable moment. C'est vraiment pas prise de tête. Mais Gus, c'est pas possible. C'est vraiment pas prise de tête et c'est très divertissant. Voilà, c'est juste, ça fait du bien. En fait, on prend le livre, on a envie de manger à chaque fois qu'on tourne les pages, on a envie de faire toutes les recettes. D'ailleurs, il y a vraiment un milliard de recettes dedans à la fin de chaque chapitre. C'est simple, on a une recette, j'ai l'impression. Donc, Black and White, alors 2 tasses de pépites de chocolat, 3/4 de tasse de beurre, enfin bref, c'est un exemple, mais vraiment il y en a beaucoup. Et voilà, c'est un livre qui donne faim. Et cette atmosphère est très 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 agréable, comme je vous disais. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Le personnage d'Anna, j'ai reçu un message hier justement sur Insta me demandant si c'était pas trop gnangnan. Parce que c'est vrai qu'effectivement, à première vue, on va se dire, bon, de la pâtisserie, des crimes, est-ce que finalement ça va pas être un petit peu cucu? Et très honnêtement, je ne trouve pas. C'est-à-dire que je trouve que le personnage d'Anna, il est intéressant. Il est. Voilà, c'est pas une cruche, hein, on n'est pas du tout dans ce stéréotype-là. C'est une nana qui est terre à terre, qui a. Qui est loin d'être bête, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui sait ce qu'elle ne veut pas, et voilà, qui se débat un petit peu de sa mère qui voudrait la caser avec tous les hommes du village. Enfin voilà, ce personnage d'Anna, vraiment, moi je trouve qu'il est intéressant. Surtout que ça a été écrit il y a assez longtemps, hein. Je crois que ça a été écrit en 2000, il me semble, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est vieux, hein, sur le principe. Ça n'a pas été écrit là cette année ou il y a 2 ans. Donc voilà, je trouve qu'en tout cas, ce personnage d'Anna est très intéressant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Anna. Bon, j'ai absolument pas retrouvé ce que je voulais vous dire. Ça reviendra peut-être plus tard. En tout cas, voilà, je suis très agréablement surprise puisque non, ce n'est pas cucu, non, ce n'est pas gnangnan. On a une vraie enquête derrière avec donc différents personnages sur la conversation de la lecture commune qu'on a sur Instagram, vu qu'on est vraiment beaucoup à faire cette lecture ensemble. Il y a pas mal de filles qui ont dit qu'elles se perdaient un petit peu avec le nombre de personnages, etc., qu'elles avaient du mal à tout recouper au début, en tout cas de la lecture. Moi, j'avoue que ça n'a pas trop été le cas pour l'instant. Autant, c'est vrai que ça dépend en fait, parce que sur le dernier Mark Levy que j'ai lu, il y avait, je pense, pas plus de personnages et pourtant je m'y perdais. Peut-être parce que les noms se ressemblaient ou que dans mon cerveau, je sais pas, ça vrillait. En tout cas, là voilà, je n'ai pas de mal particulièrement à me repérer au niveau des personnages. Et moi j'adore en fait cette ambiance de village où tout le monde se connaît,
Voilà, quand on parle d'un personnage, on n'a même pas besoin de l'appeler par son nom de famille. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Tout le monde se connaît, ils ont tous plus ou moins été voilà, au lycée ensemble, à l'école ensemble. Le cousin, c'est le frère d'un tel, de machin. Enfin bref, tout le monde se connaît. Et j'aime bien cette ambiance sur justement des cosy mystery parce que voilà, on soupçonne tout le monde et personne à la fois. Tout le monde pourrait avoir un motif, mais à la fois, bon, enfin, tout est compliqué. Donc j'ai trop trop hâte de savoir ce que cette enquête nous réserve. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé. Là, il me reste donc 200, un tout petit peu plus de 200 pages. Je pense le terminer ce soir, ça m'étonnerait, mais demain matin, très probablement. Voilà. Et donc, voici pour toujours ces deux lectures. De mon côté, j'ai essayé un petit peu de me constituer. Alors, c'est des vacances, hein, donc cette semaine. Donc, j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression. Mais c'est l'occasion pour moi de lire, de lire davantage. De lire sans pression, sachant qu'en fait, toutes mes lectures obligatoires, ou en tout cas toutes les lectures que j'avais absolument prévues pour ce mois-ci auront été faites. Il m'en manque une seule qui est joueuse du livre de poche, pour le prix des lecteurs, pardon. Et après, ce sera bon. Donc voilà, je me suis fait une petite... Enfin, je commence à me faire une petite pile à lire pour cette semaine-là, les 4-5 jours qu'il reste. Idéalement, j'aimerais bien prendre des petits livres, donc dans les 200-300 pages max que j'ai depuis un certain temps. Ça me permettrait de faire sortir un petit peu des reliques de ma pile à lire et ce serait l'occasion. Et à la fois, voilà, j'essaie de constituer également mon planning de mai qui, je pense, va être bien chargé puisque à force de prévoir des lectures et des lectures et des lectures, j'ai regardé pour l'instant, je crois qu'il y en a à peu près 7 ou 8 déjà de prévus, auxquels il va falloir que je rajoute les 2 ou 3 livres du prix des lecteurs, plus d'autres lectures qui vont me tenter entre-temps parce que c'est sûr que j'aurai envie de lire d'autres choses. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Vraiment, il faudrait que les journées, elles durent 48 heures et pas 24 heures. Et peut-être que là, j'aurai le temps. Enfin bref, voilà, ce n'est que de l'organisation. Mais encore une fois, il n'y a absolument pas de pression. C'est vraiment pour le plaisir. Donc voilà. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai demain. Je dois aller chercher un colis au Point Mondial Relais, qui est un... C'était quoi déjà? Ah oui, qui est un livre donc que j'avais commandé sur Vinted. Alors je m'attendais absolument pas à ce qu'il arrive aussi rapidement parce que j'ai dû le commander il y a vraiment pas longtemps. Mais voilà, je passerai le récupérer demain et je vous en parlerai par la suite. Donc je vous souhaite une bonne continuation dans cette vidéo et je vous dis à demain. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'ai pas vu passer la journée. J'ai ma meilleure amie qui est venue me voir et voilà. Et donc elle est partie en fin de journée. Et en fait, je n'ai pas lu du tout dans la journée hier. J'ai lu qu'hier soir. Donc finalement, ça n'avait pas grand intérêt que je vous prenne pour faire en tout cas un point lecture. Mais du coup, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc tout d'abord, j'ai terminé hier soir Meurtre et pépites de chocolat, donc de Joanne Fluck. Alors, j'espère que le vent fera qu'on m'entendra quand même assez. J'ai donc terminé ce cozy mystery qui se passe aux États-Unis et j'ai adoré.
Bon, j'avais en fait clairement tout vu venir, donc c'est un petit peu le seul hic et ça m'arrive jamais d'habitude sur les cozy mysteries, les polars, etc. Je me fais toujours berner, mais là j'avais clairement vu venir le truc à 10 000 km, ce qui fait que du coup j'ai pas du tout été surprise du dénouement. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même passé un super moment. L'enquête est donc bien, bien ficelée tout de même. Et ce personnage d'Anna, moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc j'ai trop trop hâte de le retrouver dans le second tome, qui est donc Meurtre et Charlotte aux fraises, qu'on lira également avec la même team que celui-ci au mois de mai, fin mai il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour cette lecture, c'était vraiment hyper agréable. J'étais parfaitement dans l'ambiance donc du cookie jar, de cette boutique de cookies, l'ambiance de ce petit village de Lake Eden où tout le monde se connaît, tout ce qui est un petit peu commérage, ragot, enfin voilà. Donc c'était un super bon moment de lecture que je vous recommande de passer avec Anna si vous ne connaissez absolument pas cette saga, ce premier tome de saga. Donc voilà pour ce livre et donc un petit point achat puisque donc je rentre du point relais où j'ai récupéré deux achats que j'ai fait sur Vinted. Le premier c'est donc mon minuit d'Anna McPartlin qui est donc l'autrice qui a écrit Les derniers jours de Rabbit Ace et en fait voilà j'ai tellement aimé sa plume que j'ai eu envie d'en découvrir davantage et celui-ci je crois est paru juste après. Voilà. Donc il est sorti au Cherche Midi en 2017 et Les derniers jours de Rabbit Hay c'était 2016. Donc la couverture est toujours aussi belle, c'est vraiment dans le même style que Les derniers jours de Rabbit Hay. Et j'ai trop hâte de le lire. Le résumé, c'est donc à la suite d'un drame, le monde d'Emma, jusque-là rempli de promesses, s'effondre. La jeune femme plonge dans le désespoir. Ses amis font alors bloc autour d'elle pour tenter de lui redonner le goût de vivre. Comment survivre à la perte ou au chagrin? Quel courage l'existence peut-elle parfois exiger de nous? Donc bon, la thématique n'a pas l'air nécessairement plus gaie que Les derniers jours de Rabbit Ace, mais je pense que bon, voilà, on est quand même, même si on est sur un désespoir et une sorte de dépression, je pense que voilà, on est quand même sur de l'optimisme et des good vibes comme dans le premier. Donc voilà, j'ai très très hâte de commencer cette lecture et je vous en parlerai pareil en temps voulu. Seconde du coup réception, c'est toujours un achat Vinted et donc on est dans la continuité de ma collection Agatha Raisin. C'est effectivement le dernier tome qui me manquait dans ceux que j'avais commandé. C'est donc le tome 13, Chantage au presbytère. Et donc ce qui fait qu'il m'en manque 4, oui il m'en manque 4 et je sais plus lesquels c'est, il me manque 22, 23 et bah si 22, 23 et 26, 27 et sinon je les ai tous donc voilà celui-ci vraiment je suis trop contente. Alors je l'ai déjà déballé parce que c'était hyper accroché et j'avais pas envie d'y passer des heures mais vraiment il est dans un état, enfin il est neuf en fait, je pense que même un livre neuf en librairie peut être dans un pire état que celui-ci. Donc vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment génial, Vinted, quand on fait des trouvailles comme ça qui sont en super état. Et donc, voilà pour mes deux réceptions du jour, mes deux achats. Et donc, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est Joueuse de Benoît Philippon, donc au livre de poche que je lis dans le cadre du prix des lecteurs catégorie Polar. Et... donc j'ai vraiment pas lu beaucoup, hein. J'ai lu 50 pages sur, je l'ai commencé ce matin, sur 347. Donc Benoît Philippon, c'est le même auteur que Mamie Luguerre qui avait fait pas mal de bruit, je crois, quand il est sorti. Moi, je ne l'ai absolument pas lu, donc je ne connais pas la plume de cet auteur et je suis ravie de la découvrir. En tout cas, après 50 pages, pour l'instant, j'aime bien, la plume est fluide, ça se lit vite, c'est relativement agréable. Et concernant l'histoire, donc en fait ça se passe dans le milieu du jeu et plus précisément du poker. Bon, je trouve que le résumé est pas très évocateur, mais en fait on suit deux personnages, Maxine qui est une jeune femme, je peux pas en dire plus parce qu'on le découvre très très vite dans les premières pages, et Zach
qui tous deux donc maîtrisent à la perfection l'art de la manipulation et ne dévoilent jamais leur jeu. Maxime propose à Zach une alliance contre un concurrent redoutable, piège ou vengeance. Zach n'en sait rien, mais comment résister à la tentation du jeu? Maxine est une tornade qui défie le monde si masculin des joueurs de poker. Elle est bien décidée à régler ses comptes coûte que coûte. Voilà, donc affaire à suivre, je vais me plonger dans cette lecture là cet après-midi. Il est, on est en tout début d'après-midi, je ne sais même pas quelle heure il est, mais il doit être 14h30. Et il fait super beau, là il doit faire 25 degrés, donc c'est trop agréable. Je vous montre là derrière, ça fasse la mise au point. Vraiment il y a un ciel bleu incroyable, il n'y a pas un seul nuage. Donc ça va être trop bien, je vais pouvoir me poser au soleil. On voit le soleil qui arrive sur la terrasse et avancer cette lecture, je vous en parlerai donc mieux. Alors peut-être que je vous reprendrai en fin d'après-midi, c'est fort possible. Et sinon, je vous en parlerai demain. Hello, on est vendredi et j'ai plein de choses à vous dire. Pour commencer, hier donc je vous parlais de Joueuse de Benoît Philippon au livre de poche que j'avais commencé. Et en fait, je l'ai terminé, je l'ai lu d'une traite hier sur la journée et j'ai vraiment adoré. C'est ma première belle surprise du prix des lecteurs, donc franchement, je suis super contente. Qu'est-ce que tu fais ? On suit donc dans ce roman Maxine, Zach et Balou qui sont trois personnages que la vie n'a concrètement pas du tout épargnés, qui vont faire entre guillemets bataille commune contre effectivement un ennemi qu'ils ont en commun. Ça tombe sous le sens. Et donc on est dans le milieu du poker, le milieu du jeu, de la manipulation, du bluff. Franchement c'est fascinant. Je peux difficilement vous en dire plus, mais c'est fascinant. L'écriture est super dynamique, y a beaucoup d'humour. Mais à la fois, je veux dire, l'humour prend pas le dessus sur l'histoire en elle-même. C'est très bien raconté, c'est bien ficelé, c'est efficace. Et franchement, j'ai passé un super moment, j'ai pas vu le temps passer. Mais Gus, c'est pas possible. Et donc, je disais, j'ai passé un super moment de lecture. Donc franchement, je vous le recommande. L'histoire fonctionne, c'est vraiment très bien écrit et... Et voilà, on s'attache énormément à ces personnages qui deviennent des justiciers pour aider les victimes, notamment de viols, d'harcèlement sexuel, etc. Bon voilà, ils ont, de par leur passé, de par ce qu'ils ont vécu, ils cherchent justement à rétablir une sorte de justice et à anéantir les monstres de ce monde, entre guillemets. Donc franchement, une super bonne lecture et voilà, trop contente. Déjà là-dessus, puisque vraiment je l'ai commencé sans attente particulière. J'avais du coup pas franchement aimé Le jour de ma mort, qui était donc le premier de la sélection de ce mois d'avril. Et là, franchement, je suis ravie. C'est ma première vraie belle lecture depuis février que j'ai commencé le prix des lecteurs. Donc voilà, franchement trop contente. Du coup, j'ai entamé une nouvelle lecture. J'ai mis un petit bout de temps avant de me décider. Je ne savais pas à quoi commencer. Et du coup, j'ai opté pour Sweet 16, donc de Annelise Heurtier, qui est un roman jeunesse. Alors, comme on peut le voir, je vous montre à l'intérieur. C'est écrit relativement gros quand on compare avec... avec celui-ci par exemple, je sais pas si, ouais, en fait c'est pas hyper évocateur. Bref, voilà, c'est vraiment un livre jeunesse, donc ça se lit dès 12 ans. J'ai lu les 40 premières pages sur 214, je pense que je vais le terminer là dans l'après-midi. Il est 15h à l'heure au moment où je vous parle. Et pour l'instant j'aime beaucoup. En fait c'est un livre qui se divise du coup en deux points de vue. On a donc, je sais plus déjà si c'était dans ce vlog là que j'en ai parlé. Oui, c'est dans ce vlog là. Bref, je déraille complètement et j'ai Gus qui est en train de me mordre les pieds. Donc en fait, Sweet 16 se déroule donc en 57 dans l'Arkansas. Pour la première fois, un lycée de blanc traditionnellement ouvre ses portes à 9 étudiants noirs. C'est donc en fait c'est une histoire qui est tirée, enfin en tout cas qui est inspirée de faits réels.
de... alors, il y a les noms au tout début. Il y a même un contexte d'ailleurs. Et donc, en fait, voilà, la toute base de ce roman et donc de ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'en mai 54, la Cour suprême des États-Unis a pris l'une des décisions les plus importantes de l'histoire sociale du pays, rendant inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. L'arrêt Brown versus Board of Education remet en cause une règle vieille de 90 ans. La doctrine séparée mais égaux n'a plus lieu d'être dans l'éducation. Désormais, les Noirs pourront bénéficier du même enseignement que les Blancs. Donc, cette décision a été révolutionnaire dans la quête d'égalité des droits des personnes noires, mais disons que c'était qu'en théorie, puisque dans la réalité, le lycée en question, là, de l'Arkansas, qui ouvre ses portes, c'est uniquement pour respecter la loi. C'est-à-dire que le directeur lui-même ne veut pas de ses 9 étudiants noirs. Et voilà. Bref, donc je m'arrête ici. Vous avez l'histoire un peu globale. Et donc, dans ce roman, on suit deux personnages. On a Grace d'un côté, qui donc est une lycéenne blanche qui vient de la bourgeoisie. Voilà, la bourgeoisie, clairement la bourgeoisie ségrégationniste. Et donc voilà, elle a des domestiques noires, elle se moque d'eux, elle a aucun respect quoi pour les personnes de couleur. Et de l'autre côté, on a Molly. Molly, du coup, qui fait partie de ces 9 lycéens qui ont été acceptés dans ce lycée. Elle a candidaté elle-même, elle s'est portée volontaire. Et rien qu'au début du roman, puisque donc j'ai lu 40 pages, on a même sa famille qui, en fait, au début ne comprend pas cette réaction, pourquoi elle a voulu faire ça. Ils sont tous un petit peu en train de l'engueuler en lui disant qu'elle va mettre en danger toute la famille, qu'il y a des Noirs qui se sont fait lyncher pour moins que ça, etc. etc. Et voilà, on suit ces deux personnages un peu en parallèle. Là, évidemment, j'en suis au tout début, donc il n'y a pas encore eu la rencontre entre les deux, mais je pense qu'évidemment, ça va arriver. Donc voilà, ça se lit très bien. Bon, après, voilà, c'est un roman jeunesse. C'est le premier roman jeunesse, je crois, que je lis. En ayant là cet âge là maintenant. Les derniers c'était Harry Potter, les derniers, et enfin à cet âge-ci c'était Harry Potter. En tout cas voilà, ça se lit très bien, c'est très agréable, et l'histoire me plaît bien pour l'instant, donc voilà, je vous en reparle très rapidement puisque je pense que je vais le lire d'une traite là dans la journée. Et du coup, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. J'ai reçu donc 2 colis. Alors, le premier colis, c'est un colis Vinted que j'ai commandé il y a pas si longtemps que ça. Et je vais réussir à l'ouvrir. Et donc, il s'agit... Dans mon balai. Il s'agit des 4 filles du Dr March. Il est comme neuf, je suis trop contente. Aux éditions Gallmeister, qui a été réédité, il me semble, chez Gallmeister avec une nouvelle traduction, je crois, assez récemment, 2020. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Bon, c'est une petite brique qui fait... Oh, pas tant que ça, ça va. Bon, il fait 635 pages. Mais par contre, accrochez-vous. Il n'y a pas de marge. C'est-à-dire que si la phrase, elle pouvait débuter sur la page ici, là, bien au-dessus du livre, il l'aurait fait, à mon avis. Donc ça va être quand même assez dense, je pense, à lire. Parce que là, on le voit ici. J'avoue qu'on respire pas trop quand même. Mais bon, du coup, alors, je vous ai même pas dit finalement. J'ai commandé donc ce livre dans le cadre du challenge de Sarah, donc Mrs. Bookermonde, l'empoche classique. Et c'est, il me semble, la lecture de mai. Oui, on est en avril. Je crois que c'est la lecture de mai. Donc voilà, jusqu'ici, je n'ai pas participé
au challenge de Sarah parce que j'avais déjà pas mal de lectures qui étaient prévues. Et disons que les classiques et moi, c'est pas une. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo FAQ que j'avais faite. C'est pas une grande passion. Donc voilà. Mais celui-ci, en tout cas, me tentait beaucoup. Et cette édition Gallmeister, je la trouvais trop belle. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et je l'ai trouvé d'autant plus sur Vinted. Là, vraiment, il est neuf. Hein. Il est en super état. Je pense qu'il a jamais été ouvert. Donc voilà. Donc du coup, je ferai le challenge de Sarah en mai. Et l'autre réception. C'est, alors ça c'est un colis mensuel, il s'agit, je crois, de la sélection du livre de poche, c'est ça, de la sélection donc, du livre de poche pour le mois de mai. On a 3 livres à lire ce mois-ci. Hop. Et donc... Nous avons hop, les 3 livres ici. Le premier, donc c'est Oyana d'Éric Plamondon. Alors j'avais vu passer cette couverture sur le site, sur la page Insta, je crois, du livre de poche. Je la trouve trop trop belle cette couverture. Et alors vraiment, il est minuscule. Hein. Il fait 156 pages. Ça, concrètement, en dimanche après-midi, c'est plié. L'histoire, donc, elle a fait de son existence une digue pour retenir le passé jusqu'à la rupture. Elle est née au Pays Basque et a vieilli à Montréal. Un soir de mai 2018, le hasard la ramène brutalement en arrière. Sans savoir encore jusqu'où les mots la conduiront, elle écrit à l'homme qu'elle aime pour tenter de s'expliquer et pour qu'il puisse comprendre. Il y a des choix qui changent des vies, certains plus définitivement que d'autres. Elle n'a que 2 certitudes, elle s'appelle Oyana et l'ETA n'existe plus. Donc ça, je pense vraiment que ça va me plaire. Déjà, tout bête en termes de lieu, le Pays Basque, c'est juste à côté de chez moi. Et voilà, j'ai plein d'amis, j'y vais régulièrement. Et Montréal, j'y ai vécu pendant 6 mois. Donc voilà, des lieux qui me plaisent énormément et que j'affectionne beaucoup. Et cette histoire, voilà, par rapport à l'ETA, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'a pas mal marqué quand j'étais plus jeune et qu'on en parlait davantage. Donc, trop hâte. Je pense que je vais le lire très rapidement. Le deuxième, alors celui-ci, il me faisait hyper envie. J'en ai parlé avec Julie du compte Books Lawyer, qui du coup a reçu cette sélection quelques heures avant moi. Il s'agit de Bonne nuit, maman, de Seo-mi-e. Je sais même pas si je prononce correctement. Et donc, en fait, on va suivre une criminologue qui est également professeure à l'université, qui est sollicitée par un détenu jugé et condamné à mort. Cet homme, un tueur en série qui a assassiné 13 femmes, veut lui parler, à elle seule. Elle va devoir faire preuve de la plus grande prudence face à ce tueur hors norme, intelligent et manipulateur. Dans le même temps, son mari se voit contraint de faire venir chez eux sa fille née d'un précédent mariage, une enfant de 12 ans qui serre contre elle son ours en peluche, bouleversé par le décès de sa mère et de ses grands-parents maternels. Des décès pour le moins suspects d'ailleurs. Et donc apparemment, c'est le premier volet d'une trilogie qui sera bientôt adaptée en série par les mêmes producteurs que Downton Abbey. Donc voilà, ça a tout pour me plaire. L'idée... Là, il va être heureux. En tout cas, voilà, ça a tout pour me plaire et il est pas très long non plus. 318 pages. Donc ça, c'est pareil, ça va se lire très rapidement. Et enfin, le dernier, c'est Francesca de Lina Banks. Je vais pas me risquer à prononcer des noms que je saurais pas bien prononcer. Alors, celui-ci, il est plus gros. Il fait plus de 400 pages, 474 pages. Et donc, l'histoire, Charlie Lager espérait ne plus avoir à revenir à Gullspång, la petite ville où elle a grandi. Mais voici qu'une affaire non résolue refait surface. Une trentaine d'années plus tôt, Francesca, 16 ans, avait quitté la propriété familiale sans laisser de traces. Quelque chose dans cette histoire préoccupe Charlie, qui ne tarde pas à faire de rêves étranges. Lorsque son amie d'enfance, Suzanne, que son mari vient de quitter, lui demande de la soutenir, Charlie la rejoint aussitôt. Elle embarque avec elle ses cauchemars et les questions sans réponse sur la disparition de Francesca. Rapidement, elle est confrontée au silence de ceux qui n'apprécient pas qu'on vienne déterrer les vieux dossiers. Après Annabelle, Lina Banks, d'auteur,
nous plonge dans une nouvelle enquête sans répit de l'inspectrice Charlie Lager. D'accord, donc apparemment c'est une suite. Alors Annabelle, le nom me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Bon, bah c'est pareil, affaire à suivre. Je vais voir ça, je vais voir si s'il y en a qui le lisent au tout début et qui disent qu'ils n'ont pas tout compris, peut-être que j'achèterai celui d'avant, je sais pas. À voir. Voilà, en tout cas pour donc cette sélection du livre de poche pour le mois de mai. C'est une sélection en tout cas qui me donne bien envie. Il n'y en a pas un sur les trois qui me fait moins envie que les autres. Donc tant mieux. J'espère que ça va être comme ça maintenant sur les mois à venir et qu'il n'y aura que de belles découvertes. Donc ce serait une bonne chose. Enfin voilà, du coup donc on est toujours vendredi. Je vais partir au soleil puisqu'il fait je crois 25 ou 26 degrés. Reprendre ma lecture de Sweet 16 et je vous reprendrai, je pense, demain. Hello, on est samedi et je viens vous parler de ma lecture de Sweet 16 d'Annelise Heurtier. J'ai la version Casterman Poche. Je suis dégoûtée tout simplement parce que je viens de filmer à peu près 6 minutes où je vous parle de ce livre et ça a coupé en pleine vidéo et ça n'a pas sauvegardé. Merci, c'est génial. Donc je recommence. Ce roman est donc un roman choral où on suit deux personnages, Grace et Molly. Grace qui est donc issue de la bourgeoisie blanche. Et Molly qui fait partie des 9 étudiants, des 9 lycéens noirs qui, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, ont le droit d'intégrer un lycée constitué de 2500 lycéens blancs. Alors déjà pour recontextualiser, j'en ai parlé hier il me semble, mais en fait tout a commencé avec une décision de la Cour suprême des États-Unis en 57, autorisant officiellement dans le droit américain le mélange des blancs et des noirs dans les lycées publics. Donc une décision de la Cour suprême qui surpasse toutes les autres, mais concrètement dans la théorie c'est ça, dans la pratique pas du tout, puisque dans les États du Sud notamment, où les mentalités étaient encore bien ancrées dans la ségrégation. Forcément, tout le monde voyait ça d'un mauvais œil, cette intégration de 9 lycéens noirs au lycée de blancs, traditionnellement. Et donc forcément, il y a eu énormément de manifestations, il y a eu énormément de protestations contre cette rentrée-là en 57. Et donc en fait ce livre, à travers les deux personnages qu'il suit, donc de Grace et Molly, se découpe on va dire en deux parties. La première qui va être autour d'avant la rentrée, alors tout ce qui était mis en place pour empêcher cette rentrée d'avoir lieu dans ces conditions-là. Et la seconde qui va davantage être axée sur comment, une fois qu'ils ont pu faire leur rentrée dans ce lycée, comment ça s'est passé. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment... Toutes les insultes, les sévices qu'ils ont subis. Et on a un peu En fait, on a les deux points de vue, puisqu'on a donc Molly qui est du côté blanc bourgeois, mais qui ne partage pas totalement les convictions des autres, de ses semblables. Et on a Molly qui aimerait, elle, que les choses avancent, mais qui... Parfois, elle se demande en fait pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a pris cette décision, pourquoi s'être risquée finalement à intégrer ce lycée alors que, comme elle le dit dans le livre, elle aurait pu attendre que quelqu'un fasse ça avant elle et pouvoir en bénéficier dans quelques temps après. Bref, c'était une lecture qui était hyper intéressante. Franchement, j'ai adoré. Je m'attendais... Alors, le thème me plaisait énormément, mais je ne lis pas de jeunesse, donc j'avoue que j'avais peur un peu d'un côté trop enfantin. Et en fait, pas du tout. Donc, il y a marqué dès 12 ans, mais je pense que ça peut se lire un petit peu avant. Moi, c'est un roman vraiment que j'offrirais avec grand plaisir à un adolescent. Vraiment, pour moi, c'est un livre hyper important à lire. Ça se lit très vite, il fait 214 pages. C'est écrit de manière très fluide, très accessible.
Et pour moi, vraiment, c'est un livre important parce qu'il nous rappelle les combats qui ont pu être menés, surtout dans une actualité où voilà, le procès de... Je tourne la tête parce qu'il y a ma télé, mais elle est éteinte, donc ça sert à rien. Qui nous rappelle donc à une actualité où récemment on a eu le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd avec tout ce mouvement Black Lives Matter. Et je trouve ça très important de rappeler que ce combat, voilà, il a commencé à être mené il y a maintenant plusieurs dizaines d'années et que on arrive en 2021 et qu'il y a encore plein de choses qui restent à faire. Et pour moi, c'est un livre qui est très important, très intéressant et qui peut permettre de comprendre un petit peu comment tout a commencé. Et voilà. Donc franchement, c'était une lecture très agréable. Enfin, pas agréable dans la mesure où ce qui est raconté, c'est quand même horrible. Mais c'était une très bonne lecture. Et franchement, j'aurais aimé que ça dure encore plus. J'aurais aimé passer davantage de temps avec ces personnages. J'aurais aimé en fait que, mais ça n'est absolument pas de la faute de l'autrice. J'aurais aimé que ce soit un roman en fait pour adultes, c'est-à-dire que la même histoire soit transposée vraiment pour adultes avec davantage de profondeur, davantage voilà, rentrer vraiment dans le ressenti des personnages, en savoir plus sur eux. Bref, que tout soit un peu plus creusé. Mais voilà, ce n'était pas le cas, donc c'est pas grave. En tout cas, c'était franchement une très belle lecture que je vous recommande puisque ça se lit très vite. Je l'ai lu en une journée, hier après-midi, plus un petit peu ce matin. Donc voilà, franchement foncé. Et donc, j'ai enchaîné de suite sur une nouvelle lecture qui est donc Oyana d'Éric Plamondon au livre de poche que je lis donc dans le cadre de la sélection du prix des lecteurs. Je vous en ai parlé hier, enfin du coup juste avant dans cette vidéo. C'est donc un tout petit livre, il fait un tout petit peu plus de 150 pages. Et j'ai commencé, mais j'ai lu 10 pages. Hein, donc en fait, comment dire que je ne l'ai pas commencé? Voilà, j'en suis page 15, tout va bien. Et donc j'ai très très hâte d'en savoir plus. Je pense que là je vais le lire sur l'après-midi, ça va être lu très rapidement. Mais en tout cas voilà, pour l'instant les quelques pages que j'ai lues c'est des tout petits chapitres, c'est des extraits de lettres et on comprend bien évidemment qu'on va parler de l'ETA et visiblement révéler des secrets, des choses qui n'ont pas été dites par le passé. Donc je vous en parlerai mieux, ça sert à rien que je vous refasse le résumé. De toute façon, je vous en ai parlé hier quand je les ai déballés. Mais voilà, je vous en parlerai mieux quand je l'aurai terminé. Dimanche et je viens clôturer ce vlog. J'ai très peu avancé hier soir. J'ai tout simplement pas pris le temps de lire. J'ai fait d'autres choses et donc je n'ai pas encore terminé Oyana. Il me manque quelques pages, une cinquantaine de pages, je dirais, pour le terminer. Donc je ne vais pas vous en parler dans ce vlog-là parce qu'il est déjà 11h30. Et comme tous les dimanches, étant donné que je vous poste ce vlog à 17h30, il faut que j'ai suffisamment de temps derrière pour pouvoir terminer le montage, l'exportation et le mettre sur YouTube, ce qui prend quand même assez de temps. Donc j'ai vu ce qui fait tout bouger, encore une fois. Donc voilà, je vous en parlerai mieux dans le vlog suivant. En tout cas, c'est une belle lecture, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Moi, de mon côté, j'espère que donc ce nouveau vlog vous aura plu. Et effectivement, c'était une semaine vraiment à fond de lecture pour moi, puisque donc je n'avais que ça à faire étant en vacances. J'espère donc que les différents livres dont j'ai pu parler vous feront envie. Que ce vlog vous aura donné des idées, des suggestions de lecture. Et que vous avez bien évidemment passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, je voulais remercier du fond du cœur, enfin vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes plus de 1000 sur YouTube, sur cette chaîne. Et franchement, c'est fou, je m'y attendais pas du tout. C'est qu'un chiffre, ça veut absolument rien dire, mais pour moi, en fait, ça compte beaucoup dans le sens où cette chaîne est toute récente, toute jeune, elle a un mois et j'avais énormément envie de faire cette chaîne justement pour pouvoir vous parler mieux de mes lectures.
Mais bien évidemment, j'avais un peu peur de vos retours, de savoir si ça allait vous plaire, si le format, oui, allait vous convenir. Et voilà, quand je vois tous vos messages au quotidien et justement ce nombre qui augmente de manière si rapide par rapport au temps, voilà, je suis choquée, mais je suis tellement reconnaissante. Je suis ravie de partager ça avec vous. Et je suis super contente que ça vous plaise. Donc voilà, merci, merci, merci du fond du cœur d'être là, d'être fidèle au poste le dimanche et puis d'être si bienveillant, d'être si gentil. Merci, merci et à la prochaine.